السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée de mercredi mercredi 18. Nous sommes avec le 12e cours. Nous sommes exactement au 4e chapitre. Nous sommes au 4e chapitre. Ce 4e chapitre lui-même comprend au moins 19 sous-chapitres. Au moins 19. نعم، plus exactement 19 sous-chapitres. نعم، الغرباء FR، puisque tu n'as pas le point rouge. نعم، confirme-nous inshallah ta'ala si c'est 1 ou bien 1-2-1-2. Pour qu'on sache يعني si c'est chez moi ou là, si chez vous. طيب. Donc Ibn al-Qayyim tu écris inshallah. Premièrement, bon, le titre, son comportement vis-à-vis de son mari. Et le Ghuraba, tu écris 1. Le mariage selon les principes de l'islam. Je répète. Titre écrit par Ibn al-Qayyim. Chapitre, pardon. Son comportement vis-à-vis de son mari. Bien. 1. Le Ghuraba, le mariage selon les principes de l'islam. Ensuite, je demanderai à mon cher frère Ibn al-Qayyim de changer seulement la couleur de la police avec laquelle il écrit. Il change seulement la couleur, inshallah ta'ala. 1. Le mariage selon les principes de l'islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. L'islam, le mariage est un contrat béni qui permet à l'homme et à la femme de cohabiter, se livrer l'un à l'autre et entamer un long parcours de vie commune. Cette vie commune se distingue par l'amour, l'harmonie, l'entraide et la compréhension mutuelle. En fondant leur foyer sur les bases du mariage, les deux conjoints sont censés se procurer mutuellement sérénité, quiétude et joie de vivre. Le Saint-Coran décrit cette relation sublime dans des termes d'une beauté et d'une pureté qui incitent le couple à l'affection, la compassion et la confiance mutuelle pour parvenir au bonheur. Pour vous, des épouses, afin qu'auprès d'elles, vous trouviez l'apaisement. Et il a entre vous et elle, vous et les hommes et les épouses, et a établi affection et bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Donc le mariage est une union solide qu'Allah Azza wa Jal instaure entre les hommes
des deux époux. Grâce à cette union, ils cohabitent dans une atmosphère saine d'amour, d'entente et d'entraide qui leur permet de fonder une famille dont les membres seront élevés selon les principes et les valeurs de l'islam. Ainsi, le mariage contribue à l'élaboration de la cellule fondamentale de la société musulmane. Dans le rôle principal, c'est quoi? C'est l'éducation d'une génération active, utile et vertueuse. Dans cette fondation, la femme représente le pilier principal et la pierre angulaire. Je répète, dans cette fondation, la femme représente le pilier principal et la pierre angulaire. Une seconde, on me demande quelque chose. Une seconde. Non, une seconde. On me demande bousser quelqu'un, il est sorti. Place Ibn Qayyim, il est sorti. Mais rappelle-moi quand je termine le dos de le mettre dans ma liste pour qu'il ne puisse plus jamais rentrer dans le salon. Rappelle-moi Ibn Qayyim, Inch'Allah. J'ai une liste ici, Masha'Allah. J'ai une liste, Masha'Allah. Que, Inch'Allah, t'as la personne qui rentre dans cette liste ne peut rentrer dans le salon. Même si quoi? Même s'il change d'ordinateur. Non, pas s'il change d'ordinateur, pardon. Non, il faut qu'il change d'ordinateur pour qu'il puisse rentrer. Je veux dire, même s'il change de pseudo, il se fait appeler comme il veut, il ne peut pas rentrer, car c'est le même IP. Enfin, la femme vertueuse est par ailleurs, la meilleure source de joie dans la vie de l'homme. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la vie présente est jouissance. Et la meilleure source de jouissance dans cette vie est l'épouse vertueuse. Muslim. Regardez, Sharh Sahih Muslim, volume 10, page 56. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La vie présente est jouissance. Deux sources de jouissance, wa khayru mata'iha, c'est quoi? C'est l'épouse vertueuse, Zawjatu Saliha. Elle représente ainsi l'un des bienfaits les plus généreux que Allah Ta'ala ait accordé à l'homme. Car c'est à elle qu'il revient rechercher la quiétude et le plaisir pour se délasser et oublier les soucis de la vie quotidienne. C'est à elle, hein, que l'homme revient quand il rentre de son travail fatigué, chagriné, etc. Hein, c'est à elle qu'il revient pour retrouver la quiétude et le plaisir pour se délasser et oublier les soucis de la vie quotidienne. Il y a même un verset qui est très connu chez vous, Allah Ta'ala dit dans Sourate Baqara, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Certains exégètes qui traduisent interprètent le Coran ont dit la hasana dans la dunya, ici Rabbana atina fid dunya hasana, on dit c'est la femme vertueuse. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala te donne la femme vertueuse, tu as donné la meilleure récompense dans la dunya. Il te reste quoi? Il te reste l'autre hasana qui est le paradis. Et bien sûr, le contraire est vrai. Celui à qui Allah Ta'ala donne une femme qui n'est pas vertueuse, une femme mauvaise, celui-là, c'est comme si il est rentré dans le petit enfer, le petit Jahannam. Naam, le petit Jahannam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, Allah azza wa jalla, an yusliha zawjatina wa banatina wa nisa'ana. Mais comment, voilà la question, mais comment la femme, parvient-elle donc à réussir dans sa vie de couple et devenir une source de jouissance chérie et honorée par son époux? C'est ce que nous développerons dans les pages suivantes de ce chapitre. Deuxièmement, vous écrivez, la musulmane fait le bon choix de son futur mari. La musulmane fait le bon choix de son futur mari. Et je profite pour demander si le son est bon. Alhamdulillah. L'islam a honoré la femme.
l'islam, ah, ça me fait rire une chose. Ibn al-Qayyim, toi tu as écrit fi avec S, alors que c'est avec T. Ensuite, le roi Rabat, j'ai dit Alhamdoulilah, il a écrit avec T. Mais il a mis un E à futur, alors que c'est sans E. Alhamdoulilah, donc vous vous complétez, Inch'Allah Ta'ala. L'islam a honoré la femme en lui octroyant. Non. Écoutez bien, Inch'Allah, ce qui va venir. Écoutez bien, Inch'Allah Ta'ala, ce qui va venir. L'islam a honoré la femme en lui octroyant, c'est-à-dire en lui donnant le droit de choisir elle-même son futur mari, et en interdisant même à ses pères et mères de la contraindre à épouser un homme qu'elle refuse. C'est un droit qui revient exclusivement à la femme. Donc, elle doit le préserver et ne jamais céder. Si jamais son père, sous une pulsion subjective, venait à la contraindre à un mariage qu'elle récuse et refuse. Cependant, et tout en étant consciente de ce droit, une musulmane avisée prend toujours en considération l'avis de ses parents quand quelqu'un se présente à elle, car ils sont censés être soucieux plus que toute autre personne de son intérêt, et ils sont censés avoir une expérience dans la vie qui ne peut que lui être bénéfique. Sur ce point sensible qui concerne de près la femme musulmane, les textes qui consolident son droit sont multiples. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que Khamsa bint Khidham a dit, donc le hadith qui va venir, il est dans le Bukhari, et ceux qui suivent avec moi et celles les règles du mariage l'ont entendu plusieurs fois. Naam, qu'est-ce qu'il dit dans le Bukhari? Al-Khansa a dit: mon père m'ayant marié à son neveu contre mon gré, alors je suis allé me plaindre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit: accepte la décision de ton père. Je répliquai: je n'approuve nullement la décision de mon père. Alors pars, me dit-il, pars. Le mariage qu'il a conclu est nul. Alors pars, lui a-t-il dit, pars, c'est terminé. Tu ne veux pas accepter la personne que ton père t'a choisi? Alors, puisqu'il t'a choisi de force, sans te demander ton avis, alors je t'apprends que ce mariage est nul. Naam. Alors elle dit, maintenant le hadith de Bukhari s'est terminé. Je lui dis alors: maintenant j'accepte la décision de mon père. Seulement j'ai voulu que les femmes sachent aucune autorité sur elles s'agissant de leur mariage. Fath al-Bari, volume 9, page 194, Ibn Majah, volume 1, page 602. Naam. Cette version où il y a que cette femme a dit: je lui dis alors: maintenant j'accepte la décision de mon père. Seulement j'ai voulu que les femmes sachent que leurs pères n'ont aucune autorité sur elles s'agissant de leur mariage. Cette version, Cheikh al-Arnaout rahimahullah a dit, elle est sahiha. Cheikh al-Albani a dit, elle est faible. Mais ce qui nous intéresse, c'est le hadith où le prophète alayhi sallam a dit quoi? A dit: par le mariage qu'il a conclu est nul. À travers ce hadith, on apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé par orienter la femme qui était venue le voir. Il a commencé à quoi? À l'orienter à respecter la volonté de son père. Démarche logique, vu que le souci quasi instinctif des parents pour le bonheur de leur fille. Ensuite, quand il s'est rendu compte qu'elle était opposée à un mariage décidé par son père, il lui a donné le droit de faire son propre choix, la délivrant ainsi de l'arbitraire d'un père qui voulait lui imposer un mariage qu'elle n'appréciait pas. Conformément aux objectifs du mariage qu'il a institué, à savoir notamment l'instauration d'un foyer basé sur l'entente et la parité entre conjoints,
l'islam ne tolère pas que la femme soit contrainte à vivre en compagnie d'un homme qu'elle n'aime pas. Cependant, il arrive que même des mariages bien négociés s'exposent à l'effondrement. Dans ce cas, quand la femme se sent mal à l'aise avec son époux, qu'elle ne peut plus lui vouer sincèrement amour et fidélité, et qu'elle craint par conséquent qu'elle commette un péché en lui désobéissant, il est de son droit de demander le divorce. C'est un droit approuvé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans le hadith suivant. Un jour, l'épouse de Thabit ibn Qais, qui s'appelle Jamila, et d'autres ont dit Maryam, la sœur de Abdullah ibn Ubay, vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je ne reproche à Thabit ibn Qais, c'est-à-dire à mon mari, ni son comportement, ni sa conduite religieuse, mais je crains, en restant avec lui, de commettre ce qui me mène à la mécréance alors que je suis musulman. Le prophète alayhi salam lui dit alors: en cas de divorce, lui restitueras-tu son jardin, tu lui rendras son jardin? Oui, répondit-elle. Alors le messager d'Allah envoya un messager à Thabit pour lui dire: reprends ton jardin et répudie-la. Dans une autre version de Bukhari, d'après Ibn Abbas, Jamila a dit: je ne reproche à Thabit, c'est-à-dire mon mari, ni son comportement, ni sa conduite religieuse, mais je ne le supporte pas. Dans une autre version, qu'il était très laid, et que si je n'avais pas peur d'Allah Ta'ala, je lui aurais craché sur le visage. Naam. Bukhari rapporte aussi un autre récit qui confirme à quel point l'islam protège l'humanité de la femme, préserve sa dignité et respecte son droit de choisir l'homme avec qui elle désire mener une vie commune. Il s'agit de l'histoire d'une esclave abyssienne nommée Barira, dont le maître Utba ibn Abi Lahab lui imposa le mariage avec un autre esclave qu'elle n'aimait pas. Alors ça, c'est l'histoire qui se trouve dans Bukhari, bien sûr. L'histoire d'une esclave dont le maître l'a mariée avec un autre esclave qu'elle n'aimait pas. Mais pour son bonheur, notre mère Aïcha, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha, eut pitié pour elle, pour l'esclave, et l'acheta pour l'affranchir. Pardon. Et l'acheta, puis l'affranchit pour lui permettre de demander le divorce. Car une esclave mariée avec un esclave, si quelqu'un l'achète ou bien peut s'acheter, elle devient libre, affranchie. Devenue libre, l'âme, elle demande le divorce. Elle dit: je suis une affranchie. Je ne vis pas avec un esclave, j'ai le droit. Naam. Donc, lisons le texte intégral, naam, qui reflète la tendresse et la bonté sans limite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit: c'est comme je vois l'époux de Barira, son époux, un esclave nommé Mourith radiyallahu ta'ala anhu, la suivant partout. Naam, après qu'elle eut demandé le divorce, il la suivait partout. Naam, marchait derrière elle, dans la rue, dans les rues, où elle passait, il était derrière elle. Tout en pleurs, il a dit, et les larmes lui coulant sur sa barbe. Les larmes lui coulant sur sa barbe, tellement yani, il l'aimait et tellement il ne voulait pas se détacher d'elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Abbas, il lui a dit: ô Abbas, n'es-tu pas étonné de l'affection qu'a Mourith pour Barira et de l'aversion que Barira éprouve pour Mourith? Tu n'es pas étonné, ô Abbas, tu n'es pas étonné de l'amour que cet esclave-là a pour sa femme et pour la haine et l'aversion que cette femme a pour son mari. Puis il s'adressa à Barira, à l'esclave. Il lui dit, la femme, tu devrais revenir sur ta décision le concernant. Tu
tu devrais revenir sur ta décision le concernant. Car yani, il a compati, le prophète alayhi sallam a compati avec lui, en le voyant comme ça en train de pleurer dans la rue, etc. Il a dit à Barira, il faudrait que tu réfléchisses pour que tu reviennes sur ta décision et bien sûr que tu reviennes à lui. Ô messager d'Allah, répondit-elle, est-ce un ordre que vous me donnez ou bien une nasiha, c'est tout? Non, dit-il, j'intercède seulement, une intercession, c'est tout. Non, je voudrais faire du bien, c'est tout. Je ne te donne pas d'ordre. Alors non, reprit Barira, puisque c'est seulement une intercession, alors je ne l'accepte pas. Je n'ai nullement besoin de lui. Bukhari et Fath al-Bari, volume 9, page 395. Regardez, vous remarquez ici au moins deux choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas imposé à cette femme qu'elle reste avec lui. Naam, question de cœur. Naam, je ne peux pas rester avec quelqu'un que je déteste ou qui me déteste. Je ne peux pas. Ici, elle ne le détestait pas. Enfin, c'est lui qui ne la détestait pas. Mais elle, naam, elle ne pouvait plus rester avec lui. Naam, elle ne le voulait pas. Elle ne le voulait pas, c'est très clair. Naam. Et dans notre version, il était très bien. Mohim, au point où elle avait eu peur que elle est dans les grands péchés. Alors pourquoi vais-je rester? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir si ça coupe encore ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu? Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Est-ce que vous avez entendu l'histoire de Barira, l'histoire de l'esclave? Vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas entendu? Naam, j'attends votre réponse. Alhamdulillah. Ici il dit: quelle émouvante scène sentimentale. Un époux qui aime profondément sa femme au point de courir derrière elle en la suppliant de continuer à vivre avec lui, et elle qui ne veut plus de lui, émue, le prophète alayhi salatu wasalam essaye d'influencer sur la décision de la femme en lui disant: tu devrais revenir sur ta décision le concernant. Alors elle lui demande s'il s'agissait d'un ordre, car comme tout croyant, elle lui doit obéissance en tant que prophète. Mais le prophète alayhi salam lui dit qu'il le lui demandait en tant qu'intercesseur, c'est tout. J'intercède seulement. Pour dire quoi? C'est pour dire que personne n'a le droit de l'obliger à vivre en compagnie d'un époux qu'elle n'a jamais aimé, ou là qu'elle ne peut pas aimer, ou là qu'elle n'aime plus. Les pères arbitraires et impitoyables envers leur fille devraient lire et relire ce hadith pour retrouver le bon sens. Naam, les pères arbitraires et impitoyables envers leur fille devraient lire et relire ce hadith pour retrouver le bon sens. Ici, je vais ouvrir une parenthèse assez importante. Si ce hadith qui est sahih a permis à la femme de se détacher de son mari, quand vraiment ça ne marche plus et quand vraiment c'est impossible qu'il y ait une issue, si je puis dire. Malheureusement, beaucoup aussi oublient l'autre hadith qui est authentique et qui dit que, en ce sens bien sûr, mais il est authentique, qui dit que quiconque des femmes demande le divorce sans excuse valable, sans raison valable, qu'elle ne sentira pas, elle ne sentira pas l'odeur du paradis demain quand elle va mourir. Donc, Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs et sait que cette femme est vraiment lésée, que cette femme est vraiment comme une esclave chez son mari, et que cette femme vraiment est souffrante, et c'est aussi Allah Azza wa Jal que l'autre
Naam, demandant le divorce sans avoir de raison. Ou en ayant des raisons, naam, qui ne sont pas des excuses. Naam, ce sont de fausses raisons. Et plus grave, et malheureusement, ce que je vais dire, j'en connais au moins deux personnes de ce genre, Allah subhanahu wa ta'ala nirdiyana jami'an, plus grave, quand la femme demande la séparation, car tout en étant déjà mariée, elle a entre ses yeux un homme qu'elle voudrait épouser après s'être divorcée et s'être séparée du premier. Allahu Akbar. Ça, c'est vraiment grave. Au point où une n'a pas eu honte et m'a dit que même quand elle est avec son mari, yani dans le besoin conjugal, en faisant les choses intimes, elle pense à l'autre. Elle pense à l'autre qu'elle voudrait se marier avec lui plus tard. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Allah al-musta'an, na'am. C'est pour ça que, maintenant, moi, personnellement, je trouve beaucoup d'embarras. Quand une sœur me dit, voilà, ceci, cela, et je voudrais faire le khul' et me séparer de mon mari. Ou je voudrais divorcer. Il se peut que, bien sûr, ces raisons soient valables. Mais, je ne voudrais pas que ce soit moi la cause. Je voudrais que ce soit une autre personne, par exemple, qui lui réponde pour qu'elle se sépare. Je voudrais, moi, au contraire, faire quelque chose pour les réconcilier. Non. Au point où, comme m'a dit un certain mari m'a dit une chose, j'ai trouvé qu'il avait tout à fait raison. Il m'a dit, quand une sœur mariée, bien sûr, vous expose ses problèmes, il vous dit que mon mari a fait ceci, cela, non, ne serait-il pas préférable que vous entendiez aussi l'homme? J'ai dit ça, et je le fais, alhamdoulilah, Allah est témoin. Que plusieurs fois je fais venir des couples et je leur parle aux deux. Naam, je leur parle aux deux. J'entends de la femme et j'entends de l'homme. Des fois tu entends de la femme, tu dis khlas, miskina, celle-là, c'est yani, la grande souffrance. Et après, quand tu entends son époux, tu trouves que les problèmes qu'elle fait, elle, sont beaucoup plus graves que ces problèmes lui qu'il fait. Naam. Ou alors le contraire est valable. Quand l'homme dit que ma femme, ceci, cela. Alors quand tu l'entends elle, tu trouves que lui, vraiment, il est vraiment loin du din. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son cousin Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique, il lui a dit, ne juge pas entre deux personnes jusqu'à ce que tu entendes. Non, ne juge pas à une personne jusqu'à ce que tu entendes la deuxième. Ne juge pas à une personne jusqu'à ce que tu entendes la deuxième. Or, quand une femme voudrait quitter son mari et se séparer de lui, parce que déjà, dans ses plans et dans ses rêves, elle a un autre en vue, c'est grave. Ça veut dire que c'est vraiment grave pour elle. Et plus grave encore, et ce que je vais vous dire, je l'ai aussi vécu, c'est-à-dire on m'a raconté ça, ça s'est produit. C'est quoi? Plus grave encore, c'est que les relations ont déjà commencé avec l'autre homme, avec le futur mari. Naam, elle est toujours mariée et déjà l'internet a commencé à travailler. Naam, les SMS ont commencé par téléphone. Et ceci, cela, sans craindre Allah Azza wa Jal d'un brin, un brin de peur, sans avoir un brin de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et je jure par Allah le Tout-Puissant qui m'entend que quiconque des sœurs fait comme ça, que si elle croit qu'elle va être heureuse et réussir, alors là, c'est que vraiment, elle ne connaît pas l'islam et elle ne connaît pas aussi Allah Azza wa Jal. Non. Comment Allah Azza wa Jal fait de ceux qui croient qu'elle ruse avec Allah Azza wa Jal. Non. Qu'elle ruse avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que je me rappelle
le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'am, qui dit que la plupart, qui dit que Jahannam sera rempli par qui? La majorité, c'est quoi qui remplit Jahannam? C'est les femmes. Ce sont ce genre de femmes. Étant déjà mariées, elles pensent déjà à un autre. Et plus grave, elle a déjà la relation. La relation ne serait-ce que par internet ou par je ne sais pas quoi. Allah al-Musta'an. Allah Azza wa Jalla. Inna wahdi bnat, inna wahdi nisa'an. Donc, la musulmane, non, la musulmane, elle est au juste milieu. Elle sait que l'islam ne la force pas à se marier avec qui elle veut, et elle sait que elle a le droit de demander le divorce quand ça ne marche plus, et elle sait que demander le divorce sans raison valable, c'est une des causes qui fait rentrer à Jahannam. Donc, quand elle demande le divorce, elle est sincère. Non, ce n'est pas pour aller jouer avec les autres hommes, mais elle est sincère car elle souffre. La Ta'ala ne lui veut pas la souffrance. La Ta'ala ne lui a pas dit marie-toi pour souffrir le calvaire. Non, mais ce n'est pas comme j'ai dit des extrêmes. Non. Donc pour choisir son futur mari, prend en considération des critères justes et sages. Elle ne doit pas se contenter des éléments qui attirent également. Taïeb, vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Quand il n'y a plus de son, vous m'avertissez. C'est normal. Je répète, pour choisir son futur mari, la femme musulmane doit prendre en considération des critères justes et sages. Elle ne doit pas se contenter des éléments qui attirent généralement les femmes, tels que la beauté de l'apparence, l'élégance, la haute fonction, la richesse, etc. Même la femme, la vigilante, l'avisée, la musulmane, la pieuse, même, ne doit pas se baser seulement sur la beauté de l'apparence et dire celui-là, masha'Allah, il fait 1m85, masha'Allah, c'est un mannequin, masha'Allah, la haute fonction, oh, c'est un directeur. Oh, je serai très heureuse, c'est un directeur, masha'Allah. La richesse, oh, masha'Allah. La villa qu'il a, et la dernière BM, il a la dernière BM sport. Oh, c'est ça le bonheur, je vais être très heureuse avec la BM, masha'Allah. Tu vas voir ce qui t'attend, tu vas voir ce qui t'attend, attends. Tu te bases sur ces choses, tu vas voir ce qui t'attend. Elle devrait plutôt s'enquérir sur le degré de religiosité de celui qui demande sa main et sa moralité. Car ce sont ces deux éléments qui représentent les piliers fondamentaux d'un ménage heureux. L'islam nous indique que dès qu'un prétendant au mariage dispose de ces deux qualités, on doit l'accepter. Sinon, le désordre et la corruption règneront dans la société. Le prophète Ali Sallam a dit: quand celui dont vous approuvez la religion et la conduite se présente à vous pour demander la main de l'une de vos parentes, mariez-le. Car si vous ne le faites pas, un désordre et une corruption immense apparaîtront sur terre. Jazakallahu khairan. Hadith jugé apprécié par Tirmidhi Ibn Majah. Naam. Et aussi par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Qu'a-t-il dit? Alayhi salatu wassalam, s'il se présente à vous celui qui vous a plu par sa moralité religieuse et sa vertu. Et aussi, ici c'est dit, son comportement. Naam, son comportement. Car il y a des gens, des frères, qui ont le dîn et la salat et la zakat et le hajj, et ils jeûnent samedi et jeudi, mais très mauvais comportement. Très mauvais comportement. C'est pour ça que l'islam demande deux choses. Hein? Il dit quoi? Le bon comportement et le bon niveau de religiosité. De même que le jeune musulman ne doit pas se laisser séduire par une belle femme au caractère mauvais.
La jeune musulmane ne doit pas non plus éprouver d'attirance envers l'homme élégant s'il est libertin et frivole. Son admiration doit être vouée à un jeune croyant, sérieux et doué de bon sens. Un homme ayant une âme pure et une conduite correcte. Une pure croyante ne convient qu'à un pur croyant. Et une vilaine égarée ne convient qu'à un vilain égaré. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, les vilaines femmes aux vilains hommes et les vilains hommes aux vilaines femmes. De même, les femmes honnêtes pour les hommes honnêtes et les hommes honnêtes pour les femmes honnêtes. Coran 24, 26. Car, pourquoi on dit cela? Quand on va se marier, la base c'est quoi? La base c'est que je vais me marier pour vivre toute ma vie avec cet homme. C'est ça la base. Avoir des enfants, etc. Donc, je me marie moi, c'est pas pour jouer, c'est pas pour une année ou deux années. Je me marie, et je fais le tawakkul à Allah Azza wa Jal, qu'il rallonge ma vie et la vie de mon mari dans la piété d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la base, c'est comme ça, on se marie avec cette niya. Maintenant, si je l'ai choisi seulement pour sa beauté, une semaine après, le mari que j'ai choisi pour la beauté ne me paraît plus beau, il me paraît très normal. Et la femme que j'ai choisi pour la beauté, elle me paraît une femme très normale. Donc, que va apparaître maintenant? Va apparaître le mauvais caractère qu'elle a et la mauvaise conduite. Et pour le frère, le mauvais caractère qu'il a, c'est son mauvais comportement. La beauté va vite s'oublier. La même chose quand on se marie à cause de l'argent et la richesse. L'argent et la richesse peuvent vite partir. Et l'homme peut devenir, lui qui était le plus riche, peut devenir le plus pauvre. Il perd son travail, il perd sa voiture, il perd tout. Et à supposer, si on supposait qu'il va rester toujours riche, à quoi ça me sert de vivre avec un riche qui quoi? Qui me fait souffrir du matin au soir. À quoi ça sert? Beaucoup de femmes vivent avec des riches, mais ne cessent de se plaindre, ne cessent. Et beaucoup de femmes vivent avec des gens très simples, question d'argent, très simples, et se sentent les plus heureuses. Se sentent les plus heureuses à cause de quoi? De sa religiosité, son dîme et son bon caractère. Avec son bon caractère, il lui fait oublier, il fait oublier à sa femme qu'ils sont des pauvres. Et l'autre, avec beaucoup d'argent, et il l'a fait souffrir, le calvaire. Alors il dit, cela ne signifie nullement que la musulmane doit refuser tout prétendant beau et élégant, ou bien qu'elle est condamnée à n'accepter que les hommes laids, vilains ou disgracieux. Car, comme nous l'avons précisé précédemment, elle a le droit absolu d'accepter l'homme de son choix. Un homme qui suscite en elle admiration et estime. Un homme qu'elle suppose combler ses vœux, que ce soit sur le plan moral, comportemental ou physique. Autrement dit, elle a le droit d'avoir une vision équilibrée dans son choix et n'accorder de primauté ni au physique ni au comportement. Néanmoins, une musulmane avisée doit se méfier de tout leur, c'est-à-dire tromperie, de tout leur d'apparence qui l'empêcherait de connaître la vraie personnalité de celui qui la demande en mariage. La nécessité pour la musulmane de faire le bon choix de son futur mari est essentielle, puisqu'elle sait que c'est lui qui va la prendre en charge après le mariage, et que cette responsabilité lui incombe de par un texte explicite du Coran, où Allah Azza wa Jal a dit « Les hommes assument les femmes
en raison des avantages qu'Allah a accordés aux uns aux autres à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Coran 4, verset 34. Coran 4, verset 34. Elle tâche donc de n'accepter qu'un homme digne de l'assumer. Un homme qui sera à ses côtés pour accomplir leur mission principale, qui consiste à fonder une famille musulmane dans un climat d'affection et d'harmonie, et à éduquer des enfants purs, purs d'âme et saints d'esprit. Une union de cette nature ne saurait être entachée d'incompatibilité d'humeur ou de mésentente d'ordre religieux, puisque tel n'est pas le sort des croyants et des croyants qui choisissent cette voie commune pour accomplir l'importante mission qui leur incombe, appliquer et transmettre le message de l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit, les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, déférents et déférentes envers Allah, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûneurs et jeûneuses, gardiennes de leur chasteté et gardiennes, évocateurs, très souvent d'Allah, évocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon, une énorme récompense. Naam. Et maintenant, Ibn al-Qayyim, et maintenant, il y a le son. Alhamdulillah. Alors je disais, pour pouvoir continuer à suivre la voie qui mène vers cet objectif, il est indispensable, je dis, il est indispensable de bien choisir son conjoint, consolider les liens conjugaux et fonder une famille sur des bases saines. Regardez, cela fait seulement 10 ou 15 jours, pas plus, maximum 20 jours. Parce que moi déjà, ça fait seulement 20 jours là que je suis revenu d'Algérie. Ça fait seulement dans 15 jours, j'ai assisté ici, où je suis au Koweït, j'ai assisté à un mariage d'un ami. Un frère, mashallah, je dirais même que la plupart de vous le connaissent. Je ne voudrais pas seulement le citer. Ça y est, il s'est marié, mashallah, lui et un frère, les Doros, mashallah, ceci, cela. Il s'est marié avec une femme, disons une jeune fille, hein, puisque elle doit avoir dans les 20 ans, hein, mais il s'est marié un mariage pas religieux, c'est-à-dire un mariage de mœurs et d'habitudes et de coutumes. Sa mère est allée choisir, hein, elle lui a dit, je t'ai choisi, khlas. Il l'a vu une fois et ils se sont mariés. Je crois qu'il ne l'a même pas vu. Non. Parce qu'ici, il y a des tribus, etc. où jusqu'à de nos jours, ils ne permettent pas de voir la femme. Mais il m'a dit qu'il avait vu en photo, je crois. Non. Après l'Arda, il a fait le contrat de mariage. Ensuite, il l'a vu par photo, je crois. Si je n'ai pas oublié. El-Mohim. Alhamdoulilah, j'ai assisté à son mariage, alhamdoulilah, ça va bien. Et maintenant, elle a fait que seulement 10 jours ou 15 jours qu'il s'est marié. Maintenant, il trouve que il n'y a rien entre les deux qui se ressemblent. Non, rien. Mieux encore, elle lui a dit, tu n'es pas fait pour moi, je ne suis pas faite pour toi. Lui, il veut l'au-delà, elle veut la dunya. Elle est jeune, elle veut qu'il la fasse profiter, ceci, cela. Et lui, au point où, quand il a un dars, elle lui dit, pourquoi tu vas au dars? L'essentiel, c'est qu'on sorte, ceci, cela. Naam. Tout à l'heure, moi, je parlais de lui, je l'ai vu tout à l'heure, naam. Bien sûr, avec un moral à plat, etc. Naam. J'ai dit à la personne qui m'a dit, regarde X, il paraît vraiment yani à plat le moral. Tu lui dis ça ce que tu dis. Moi aussi j'ai remarqué. Mais entre nous, cette personne, c'est-à-dire cet ami, est-ce que on l'a forcé à ce qu'il choisisse cette femme? Est-ce qu'on l'a pris avec des chaînes? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit la femme se marie pour quatre, on épouse la femme pour quatre disons quatre attributs. Il a dit l'argent,
comment disons, la fonction, la beauté. Il a dit le din. On épouse une femme pour quatre raisons. Son argent, sa classe sociale, sa beauté, sa religion. Choisis plutôt celle qui est pieuse. Est-ce que toi, qui n'as pas choisi la pieuse, est-ce que maintenant tu t'étonnes qu'elle te dise des choses pareilles? Est-ce que toi tu t'étonnes que peut-être dans une semaine, la qaddar Allah, tout va s'arrêter? Des millions pour faire ce mariage. Des millions. Naam. Il m'a dit seulement pour la dot, j'ai donné 3500 dinars. 3500 dinars. Seulement pour la dot. El Ghuraba ou l'Ibn al-Qayyim. Faites-moi une petite. Une petite opération ici. 41 dinars quotidiens. Il te donne 100 euros. Si tu donnes 41 dinars, on te donne 100 euros. Si tu donnes 3500 dinars, combien qu'on te donne d'euros? Ou le disons 42 euros, 42 dinars, c'est mieux. Car l'euro maintenant commence à monter. 42, c'est mieux. 42 dinars, c'est 100 euros. Dis-moi, 3500 dinars, c'est combien d'euros? Combien il a donné comme dot? 42 dinars égale 100 euros. Alors, 3500 dinars, combien ça donne? 8500 euros environ. Non. 8500 euros, c'est de l'argent. Non, 8500 euros, c'est de l'argent, bidna azzawajal. Non, qaddar Allahu ma shafa'at. Qaddar Allahu ma shafa'at. Donc, vous voyez que choisir avant de se mettre quoi? Avant de se mettre, c'est pas comment on appelle ça, sur le coup. Hein? Avant de se mettre le piège, je sais pas comment ça s'appelle, autour du cou. Naam, la corde autour du cou. Alors, je ne me presse pas jusqu'à ce que je choisisse la corde. Je ne me presse pas jusqu'à ce que je choisisse celle qui me conviendra le mieux. Celle avec laquelle il y aura des affinités. Et, en choisissant celle qui a la religion et le bon comportement, non, je peux même fermer les yeux, même si elle n'est pas vraiment belle ou riche. Non, si elle a le din et elle a le bon comportement, non, elle va sûrement me séduire, même si elle n'a ni argent, ni quoi, ni beauté. Elle me séduira avec la façon de me travailler, de me servir, de vouloir, de m'obéir, ceci, cela, non, je serai séduit. Je ne chercherai alors ni sa beauté, ni pourquoi elle est pauvre. Et la même chose pour qui? Pour la femme qui choisit. C'est pour ça que quand deux personnes ont les mêmes principes, il n'y a pas d'affinité. Comment voulez-vous que ça marche, subhanallah al-azim? Je vous ai toujours dit, moi je me suis marié avec une femme. Maintenant moi, je pense par exemple, c'est le vendredi. Je pense comment faire pour aller faire la prière du vendredi. Alors qu'elle, elle est en train de penser comment par exemple se préparer pour aller à la plage. On n'a pas les mêmes principes. Moi je veux aller à la mosquée. C'est le Jumu'ah, il faut que j'aille. Elle veut aller à la plage. Elle avait l'habitude chez ses parents d'aller à la plage. Elle n'est pas religieuse. Non. Moi je dis c'est noir, elle dit c'est blanc. Moi je dis on va à gauche, elle dit non, on va à droite. Ça ne peut pas continuer. Mais quand on a les deux, les mêmes principes, les deux, on a le Coran, la Sunna et la compréhension des plus prédécesseurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on revient vite vers Allah, son prophète et la compréhension des salafs. On va dire on a un Coran et la Sunna qui va nous unir et qui va départager entre nous, et comme ça. Naam. Tayyib, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide notre frère, qu'il aide tous ceux qui sont tombés dans cette faute. Naam. Je disais, pour pouvoir continuer à suivre la voie qui mène vers cet objectif, il est indispensable de bien choisir son conjoint, consolider les liens conjugaux,
et former une famille sur des bases saines. Et former une famille sur des bases saines. Cette conduite n'est pas abstraite ou impossible à réaliser. Notre islam nous propose plus d'un exemple dans ce domaine. Et nous allons nous contenter de n'en citer qu'un seul. Celui de qui ? L'exemple de Umm Sulaym bint Milhan radiyallahu ta'ala anha. Vous savez c'est qui Umm Sulaym ? Umm Sulaym, c'est la mère de Anas, le compagnon Anas radiyallahu ta'ala anha, très connu Anas, qui à l'âge de 10 ans a travaillé le prophète Islam et a vécu presque chez lui. Naam. Anas, celui qui est le dernier qui est mort à Médine. Umm Malik radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est sa mère. Naam. Elle s'appelle Umm Sulaym. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait même de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait faire la sieste chez elle. Et quand il se levait, elle prenait quoi ? Elle prenait. Naam. Et. Tayyib, un fils saute, Inch'Allah. Fils saute. Tayyib. Alhamdulillah. Je disais que Umm Sulaym, c'était qui ? C'était. Yani la mère de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, c'était la femme chez laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire la sieste plusieurs fois, et que elle le laissait en train de dormir, elle s'approchait de lui et lui prenait sa sueur, la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle mettait dans une petite bouteille, car ça devenait après du musc, ça devenait comme le plus beau parfum du monde. C'est la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le coussin. Elle les prenait aussi, naam. Et au point où les ulama, les savants se sont dit, comment se fait-il ? Et plus que cela, des fois, elle, bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, elle lui cherchait dans ses cheveux. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il a un pouls, il a quelque chose, elle lui cherche comme ça dans ses cheveux. Naam, alors les savants ont dit, subhanallah al-adhim, comment se fait-il ? Qui dormait chez elle, il dormait chez elle, ce n'est pas. C'est qui celle-là ? Ni sa femme, ni sa soeur. Et elle le touchait, elle lui cherchait comme ça dans ses cheveux. Comment se fait-il qu'elle touche ses cheveux, etc. Ce n'est pas sa femme. Alors certains savants ont cru, alors qu'il fallait déduire que c'était une de sa famille, mais lointaine, un peu loin. Mais cet avis est faible. Car l'avis le plus juste, c'est quoi ? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mahram des femmes. Toutes les musulmanes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de toutes les femmes musulmanes. S'il veut, n'importe quelle femme de nous, il la verrait comme ça, à cheveux découverts. Il la toucherait, s'il veut, son mahram. Mais il ne fait pas ces choses, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous apprendre, nous aussi, comment nous comporter. Al-Muhim. Écoutez l'exemple de cette femme, radiyallahu ta'ala anha. Cette femme fut la concrétisation même de la force de caractère, de la noblesse d'âme et de la clairvoyance dans le choix du mari. Cette Ansarite, cette femme de Médine, l'une des premières à se convertir à l'islam, l'épouse de Malik ibn Nadr. C'est qui Malik ibn Nadr? Le père de celui qui deviendra l'un des éminents compagnons du prophète. L'un des éminents compagnons du prophète, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré. Pourquoi il ne peut plus rentrer Ibn al-Qayyim, la salle, le salon accepte jusqu'à 250. Tu as oublié que ce n'est pas 200, c'est 250. Si je ne me trompe pas, 200 personnes. Alors je croyais que c'est 250. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas 250? Est-ce que vous êtes sûr? Il m'a paru une fois qu'on était 249. Allah Alam, peut-être j'ai oublié. Ah, ils ont réduit à 200. Hein? Très bientôt, ils vont réduire à 50, je sais. Non, très bientôt. Nous, Qayyim, si vous voulez, ouvrez une autre salle. Ou un autre salon et vous faites comme on fait d'habitude. S'il y a quelqu'un qui a un autre salon, il peut l'ouvrir par exemple. Et comme ça, pour laisser les gens profiter de Nazog. Naam, je disais, Umm Sulaym,
طيب ça ne fait rien, ce n'est pas obligé d'ouvrir. طيب Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha, après sa conversion, quand elle s'est convertie, son mari manifesta son mécontentement de sa démarche. Son mari, qui était kafir bien sûr, n'a pas accepté sa conversion et il la quitta alors qu'elle était toute jeune. Cependant, sans que cela ne la pousse à se rétracter et à laisser tomber sa conversion. Même plus tard, quand elle a appris la mort de son mari, elle fit preuve d'endurance et décida de s'occuper de son fils Anas radiallahu ta'ala anhu, qui avait 10 ans, en le confiant au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps après, elle fut sollicitée au mariage par un jeune médinois connu pour sa robustesse, sa richesse et son esprit chevaleresque. Ce jeune homme, dont le nom est Abu Talha radiallahu ta'ala anhu. Bon, ici il n'est pas encore musulman quand il est venu la demander. J'ai dit radiallahu ta'ala anhu parce qu'il va devenir musulman inshallah. Cet homme, dont le nom était Abu Talha, était l'objet d'admiration et de convoitise de la part de toutes les filles de Médine, tellement il était riche. Et il a cru qu'Umm Sulaym allait sauter de joie à l'entendre lui demander sa main. Mais la réponse d'Umm Sulaym fut plus que surprenante. Elle lui dit, oh Abu Talha, demander ta main. Elle lui a dit, oh Abu Talha, sais-tu que l'idole que tu adores a été sculptée par un menuisier éthiopien appartenant à telle tribu, et que sa substance est formée à partir d'un simple arbre qui pousse sur terre? Oui, répondit-il. Elle lui dit alors, ne ressens-tu donc aucune humiliation en te prosternant devant un simple bout de bois d'arbre sculpté par un Éthiopien, un Abyssinien? Et là, Abu Talha tenta de contourner le sujet en faisant allusion à la dot de fortune qu'il allait lui offrir et à la vie confortable qu'elle allait partager avec lui. Mais Umm Sulaym demeura ferme sur sa position et lui dit en toute franchise, onde venue d'un homme de ton rang ne saurait être rejetée. Or, ma religion m'interdit de me marier avec toi. Si toutefois tu te convertis à l'islam, je considère. Elle lui dit alors, ne ressens-tu donc aucune humiliation en te prosternant devant un simple bout de bois d'arbre? Salam alaykoum wa rahmatullah. Tu sautes? Non. Je disais que les coupures, c'était une chose très normale. Non. Car je suis connecté par satellite, c'est très normal. Je ne suis pas en pleine capitale. Non. Je suis à 10 km loin de la capitale. Donc je suis peut-être loin du satellite. Al-Mouhim. Elle lui dit, ne ressens-tu donc aucune ne ressens-tu donc aucune humiliation en te prosternant devant un simple bout de bois d'arbre sculpté par un Abyssinien? Et là, Abu Talha tenta de contourner le sujet en faisant allusion à la dot de fortune qu'il allait lui offrir et à la vie confortable qu'elle allait partager avec lui. Mais Umm Sulaym demeura ferme sur sa position et lui dit en toute franchise, par Allah, ô Abu Talha, une demande venue d'un homme de ton rang ne saurait être rejetée. Cependant, tu es mécréant alors que je suis musulmane. Or, ma religion m'interdit de me marier avec toi. Mais si toutefois tu te convertis à l'islam,
je vais considérer ta conversion comme dot et je ne te réclamerai rien d'autre. Le lendemain, il revint la voir et lui promit une dot et des dons encore plus abondants. Mais Oumou Souleym persista sur sa position et cette persistance, de par l'intelligence et la sagesse qu'elle reflétait, ne fit qu'accroître son admiration pour elle. Elle lui dit, « Oh Abu Talha, sais-tu que l'idole que vous adorez a été sculptée par un menuisier qui est l'esclave de telle famille? Sais-tu que si vous mettiez du feu dessus, elle brûlerait ?» En entendant ces mots, Abu Talha subit comme un choc qui le secoua dans ses plus profonds sentiments. Et il se demanda, « Est-ce possible qu'un dieu puisse brûler ?» La réponse ne tarda pas à venir. Et ce fut Abu Talha même qui la formula en déclarant, « J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad est son messager. » Alors Oumou Souleym, débordant de joie, dit à son fils Anas, elle dit à son fils Anas, « Lève-toi, ô Anas, pour conclure mon mariage avec Abu Talha. » Ainsi, Anas fit venir deux témoins et le mariage eut lieu. Vous voyez le mariage, comment il était très facile? Mon fils, lève-toi, va chercher deux témoins. Et ils se sont mariés. Ils sont sortis dans la rue, ils rentrent avec deux témoins, le mariage est terminé. Subhanallah l'azim, comme c'était facile. Maintenant nous, pour que le mariage se termine, il faut une année de réflexion, une année d'istikhara, une année de... On demande l'avis des gens. Ça fait trois. Donc une année, je réfléchis. Une année, je fais la salat istikhara. Et la troisième année, je demande l'avis de la famille et des amis. Trois ans seulement pour prendre sa position et la décision. Subhanallah, l'adhim. Autrefois, il y avait l'iman et la taqwa. Il a dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, il remplit les conditions. Je l'épouse. Naam, je l'épouse. Maintenant, les gens font beaucoup, beaucoup, beaucoup de quoi? De calculs. Naam. Elle passe la nuit à faire des calculs et lui à faire des calculs. Et, n'étant pas très fort en mathématiques, la plupart des calculs vont s'avérer faux. Naam. Après une semaine et un mois de mariage, n'étant pas des matheux, ils vont trouver que l'opération qui a été faite est fausse. Une semaine, un mois de mariage et tout va à l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam. Alors, elle dit, Anas, lève-toi pour conclure mon mariage avec Abu Talha. Vite, lève-toi. Il sort dans la rue, vient avec deux témoins et le mariage a eu lieu. Abu Talha fut tellement heureux qu'il décida d'offrir toute sa fortune à Oumou Souleym. Regardez, il est tellement heureux qu'il décide d'offrir toute sa fortune à sa femme. Beaucoup de frères et de sœurs n'ont pas la niya, n'ont pas l'intention, n'ont pas la bonne naïveté. Naïveté, il y a naïveté et naïveté. N'ont pas la bonne naïveté. Beaucoup sont rusés. Ils se marient avec elle. Elle ne sait jamais combien qu'il a d'argent dans le compte. Il se marie avec elle. Elle lui dit, ton argent c'est ton argent, mon argent c'est mon argent. Naam. Surtout si elle touche plus que lui, ou bien lui touche plus qu'elle, elle voudrait pas, et il voudrait pas qu'il mélange leur argent. Naam. Des femmes aussi. Naam. Prennent de l'argent de leur mari et donnent à leur mère et à leur sœur. Volent leur mari et donnent à leur sœur, à leur mère, à elle, sans qu'il sache lui. Naam, il n'y a pas de niya. Il n'y a pas de niya. Ça vous étonnerait, mais j'ai peur de rentrer dans l'ostentation. C'est tout. J'ai peur, si je vais dire une chose, de rentrer dans l'ostentation. Mais je vais vous le dire juste pour vous encourager un peu. Naam. Jamais depuis que je travaille ou là j'ai travaillé, même si je suis resté 10 années sans travailler, jamais quand je touche la paye, elle n'est restée chez moi. Je la donne toujours à ma femme. Sachant que quoi? Que je l'ai testée et qu'elle sait ce qu'elle fait avec l'argent. Jamais je lui demande
où est l'argent, ou là pourquoi l'argent est terminé, ou là qu'as-tu fait avec. Cela ne veut pas dire que c'est moi qui suis bien, mais cela veut dire que c'est elle qui est bien. Car sûrement que si j'avais trouvé que elle est dépensée à droite à gauche dans les futilités, que ça fait longtemps que j'aurais pas fait ça. Naam. Allah yahdina jami'an. Ensuite, il fut tellement heureux qu'il décida d'offrir toute sa fortune à Umm Sulaym. Mais la réaction d'Umm Sulaym fut digne d'une croyante sincère et noble. Elle lui dit, écoutez ce qu'elle lui dit. Si j'ai accepté de me marier avec toi, ô Abu Talha, c'est pour que Allah Ta'ala m'accorde son agrément. C'est-à-dire pour que tu sois, deviennes musulman. Je n'accepterai donc aucune autre dot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imagine un mari qui dit à sa femme, viens demain on va chez le notaire, je vais tout écrire. Tout ce que je possède comme usine, etc., je te l'écris. Elle lui dit non. Merci. Moi, ce qui me plaît en toi, c'est que tu sois rentré en islam. Cela me suffit, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Allahu Akbar. Regardez la sincérité. Vous voyez la sincérité? Des millions, des milliards. Je n'accepte pas. Jazakallahu khair. C'est toi qui le donnes là, mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de me donner. Mais je n'accepte pas. Jazakallahu khair. Barakallahu khair. Moi, ce qui m'a fait, ce qui a fait battre mon cœur, c'est que tu sois rentré en islam. Cela me suffit largement. Naam. Umm Sulaym savait qu'en convertissant Abu Talha à l'islam, elle n'allait pas seulement obtenir l'avantage d'un époux digne et noble, mais aussi l'énorme rétribution, récompense promise à ceux et à celles qui contribuent à la conversion d'un non-musulman. Car elle a entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire à Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, qu'Allah fait de toi le guide d'un homme, qu'Allah fait de toi le guide d'un homme dans le droit chemin, cela vaut mieux pour toi, cela vaut mieux pour toi que la possession de chamelles rousses, rapportée par le Bukhari. Une chamelle, c'est pas un chameau, une chamelle, ça donne des chameaux, c'est pas comme le chameau. Une chamelle et rousse, la chamelle rousse, au temps des Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était très rare de la trouver. Si quelqu'un l'a trouvée, il pouvait la vendre je ne sais pas combien de millions à l'époque. Non, la chamelle rousse. Le prophète alayhi wa sallam a dit, si jamais Allah Ta'ala t'aide pour que tu sois la cause qu'un non-musulman, homme ou femme, rentre en islam, c'est mieux pour toi que toutes les chamelles rousses du monde. Non. Vous voyez l'avantage que vous avez, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, si vous pensiez à demain, si vous pensiez au paradis, si vous pensiez à comment plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vais faire un effort pour essayer de faire rentrer quelqu'un en islam. Et Allah ta'ala sait que si on est sincère, on va dire juste un ou deux mots. Ce un ou deux mots va travailler à la personne et elle va rentrer en islam. Ce n'est pas obligé qu'elle rentre aujourd'hui quand je lui ai dit. Elle rentrera un an, deux ans, dix ans plus tard. Ce n'est pas mon problème. C'est Allah Ta'ala qui guide. L'essentiel, j'ai fait des efforts, j'ai dit quelque chose et ça a marché, alhamdoulilah. Et il se peut même que tu ne saches pas que ça a marché. Tu as dit aujourd'hui à une personne une belle phrase et tu n'as plus revu cette personne. Alors que ça a marché, elle est devenue musulmane, elle est devenue mashallah, elle est devenue, je ne sais pas, peut-être même imam. Cette personne est devenue imam d'une mosquée. Non, mais toi tu ne le sais pas, c'est toi qui étais la cause. Regardez l'avantage que vous avez, vous, qui êtes en Europe, si vous profitez, non, et essayez de faire épancher les gens, non, vers cette belle islam. Non. Surtout, entre parenthèses, les convertis, les nouveaux convertis et les nouvelles converties. Ou là, même s'ils ne sont pas nouveaux, surtout les reconvertis. Ils ont l'avantage de quoi? De connaître les autres qui ne sont pas encore convertis, leurs anciens amis et leurs parents qui ne sont pas encore convertis. Naam. Ils ont cet avantage de qu'ils leur parlent gentiment,
avec sagesse. Il leur montre la beauté de l'islam. Ce n'est pas l'islam des takfiriyins. Ce n'est pas l'islam des bombes et des assassins. L'islam du sang et l'islam de couper les têtes. Naam, l'islam de couper les têtes et faire exploser des immeubles. Naam, et tuer des enfants et égorger des femmes. Ce n'est pas cet islam. Allah Ta'ala se désengage de cet islam. Son prophète se désavoue de cet islam. Nous tous les musulmans, nous, les salafs, inshallah, on se désavoue de quiconque fait comme ça ou dit ça c'est l'islam. Il n'y a pas plus grand mensonge que celui qui dit cela. Naam. Celui qui veut faire des bombes, qui veut tuer les gens, qu'il le fasse. C'est entre lui et Allah. Demain, il va voir ce qu'il attend en enfer. Mais, s'il dit c'est l'islam qui m'a dit ça, il n'y a pas plus grand péché que de mentir sur Allah. Il n'y a pas plus grand péché après le shirk que de mentir sur Allah et dire c'est Allah qui m'a dit il faut faire des bombes, c'est l'islam qui m'a dit il faut tuer comme ça les gens et leur couper les têtes sans qu'ils n'ont rien fait. Allah l'adim, qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Ensuite il a dit c'est ce genre de femme exemplaire que la musulmane doit s'inspirer, suivre leur voie et apprendre d'elle la pureté de la foi. La force de caractère et l'habileté lui permettant le bon choix de sa vie. Naam. Il reste beaucoup dans ce chapitre. Naam. Il reste beaucoup. Il reste 16 petits chapitres. Le prochain chapitre, Inch'Allah, sera « Elle est dévouée et prévenante envers lui ». C'est le prochain petit chapitre, Inch'Allah Ta'ala, qui sera déjà assez long, puisqu'il contiendra 8 pages, 10 pages, 12 pages, 13 pages. Ensuite viendra, elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. La prochaine fois, on va voir comment qu'elle est prévenante envers lui. Ensuite, comment qu'elle doit se comporter envers ses beaux-parents, bi'idhnillah azza wa jal. Je demande à Akhi Ammar Medine, s'il est là, Inch'Allah Ta'ala, de m'écrire numéro 1, car je vais lui poser une petite question, Inch'Allah Ta'ala. Non. Ou alors, je veux lui dire, Inch'Allah Ta'ala, demain, c'est jeudi et vendredi. Je voudrais dire, Jazakallah khair, Hayakallah Akhi Ammar Medine. D'abord, avant de te demander, j'allais te demander, Inch'Allah Ta'ala, c'était quoi le programme des repères, mercredi et jeudi. Avant cela, Inch'Allah Ta'ala, je vais te donner, Inch'Allah Ta'ala, le micro. Tu vas dire, Inch'Allah Ta'ala, à nos frères et nos soeurs, une petite nasiha, Inch'Allah Ta'ala. Fadal, hayakallah. Naam, Ammar, je ne sais pas si tu m'as entendu. Mon PC n'envoie pas de son. Naam,